Où c'est l'homme qui a clairé bien? Où c'est lui, Miasou? C'est le moment pour nous, parler avec CEA pour lui arroser nous. Pour nous tenir un petit peu, même pas nous, même là nous fait tout. Maintenant, on a monté des standards, nous petit peu cher, mais nous avons besoin. Et c'est là que ça m'a salué. Tous les amis, et toujours le maudit, et light and peace with the en général, lumière et paix à chacun de vous. Amen. 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 Bien, nous, et nous avons dit dans ce qui est le jour, le premier dimanche, le troisième mois de l'année en cours, mois de la résurrection. Et nous en cours, c'est toujours pour nous tous chrétiens, une satisfaction hors du commun pour nous parler en ce terme, la résurrection. Et quand on nous rend thématiquement dans Romains chapitre 8, verset 11, lui est fait l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en vous. Et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et vraiment, c'est un thématique qui est là et qui est longue. Et d'ailleurs, depuis même dans ce premier Christ, il a parlé de la résurrection de Coquenchem de ça et jusqu'à date. Il n'a bien pour nous quitter ça. On a fini de parler de Coquenchem sacrifice ça. Nous avons fini de parler de Coquenchem l'événement ça. Et je n'ai pas besoin de vous si c'est pas dans un mois. Mais écoute, écoute, et m'a dégagé, non? Et pour nous tirer la quintessence dans tout le monde et dans l'univers comme ça. Et mes bien-aimés, ça a été annoncé depuis des millénaires par des anciens prophètes que ça a été accompli comme ça. Et nous sommes capables de remarquer parmi tant d'autres prophètes et qui mourent, qui font noyau, qui font tourner dans le monde-là, et bien, Patrice-là, son bar exceptionnel. Pas Christ-là lui-même, il y a une résurrection là-dedans, et ça fait pas Christ-là faire le plein dans l'humanité. Une résurrection. Et notre prophète, lui-même, en dépit de tout, il n'y a pas qu'on est. Et le disciple, dans le moment, ça a dit le maillot, et il y a comme ça tout. Et ça fait de la naissance, c'est pas la mort. Jusqu'à la résurrection. Et ça fait bien important pour nous instruire nous et avant vraiment et nous entrer dans le détail thématique là parce que parce que quand on fait deux années, mais maintenant, avant d'aller dans le bénéfice de la résurrection, c'est important pour nous à lui qui est résurrection, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et qu'est-ce que ça donne? Et vraiment, nous l'avons bénéficié, nous, et ça baille vraiment une image. Ça donne un sens à l'histoire biblique, et laissant du même coup des traces vraiment exceptionnelles de façon profonde. Mais si, bien aimé, la résurrection de Jésus, nous capables de dire, n'est pas donc un événement ponctuel qui intéresserait que la personne de Jésus et sa suivie. Mais c'est un événement également, nous capables de dire, qui donne un sens à notre conviction chrétienne, à notre histoire et à notre monde. C'est peut-être ça, on a tout évangélié. Pour les évangiles, ils ont complété pour ressusciter à la foi et se saluer. Après la résurrection, ils ont l'autre connotation, essentiellement, et ça fait lui exalter
li magnifié, et ça fait la ploué li, la balle gloire. Et maintenant, le Dieu ressuscité, le bien-aimé, et à la droite du Père, l'a intercédé. Et ça fait nous-mêmes tout, il y a espérance, et la vie chez nous, et ça fait nous devons continuer à proclamer bien haut dans le monde le divin ressuscité par la résurrection, le bien-aimé, j'en ai gardé là. On est un bagage tabou de l'incrédule qui parfois bien et ça fait la continuer vraiment proclamer au monde par résurrection puis un bagage qui fait que cette bonne nouvelle qui a été annoncée vraiment à l'époque le Christ fini. Mais oui, c'est ça qui est maintenant. Donc, nous devons beaucoup de chapeaux pour mesdames. Parce que les Christ sont mourus, les CEO, ils ont caché, les CPO, ils ont vivre, et nous connaissons combien d'années qu'a fait plus de demi-siècle, pour ne pas parler fort, évidemment. Et nous songer. Mesdames, c'est ça que nous toujours, mesdames, toujours présents à l'église, nos servicieux, même là, si nous avons fait son élan, nous avons compté sur nous, combien de garçons qui sont élan. Mesdames, toujours présents, et ça que nous-mêmes, nous toujours prenons à contre-pied, l'homme, on dit, on fuit par mon droit pasteur, qui va y aller, mes amis, et les gens qui portent parole là. Il vient de mettre la banane dans ton blanc encore. Il va capter une bonne nouvelle là dans mes yeux et puis pour nous tous là. Amen. Donc, chapeau bas pour nous. Mesdames, continuez. Amen. Mesdames de lumière, quel que soit côté nous, allez toujours côté bonne nouvelle là. Allez. Continuez. Amen. Voilà Dieu. Eh bien, ici, mesdames, nous venons. Je dis, Christ, qui est dans ton blanc encore. Et ressuscité. Et notre éducation, mesdames, bien-aimés. Et heureusement, les pères, les tentatives pour cacher la, avec toute attraction, les vérités, ça, il n'y a pas qu'à cacher. Même là, nous étions au béton métallique, nous quand nous mettons là-bas, ça bougeonnait quand même. Parce que la résurrection est notre victoire. Cela fait partie intégrante de notre prédication, de notre raison d'être. Je dis, il y a un rôle à croire, etc. Il fait tout le bagaille. Et bien aimé, vérité a sorti en plein visage. Mon papa caché, vérité ça. Et bien aimé, oui, et Dieu t'a fait travail là, avant d'aller. Et il est finalé, il était des hommes de conviction, il était parti à l'aventure. Et jusqu'à présent, je dis à l'unité, à l'incontestable et incontesté. Donc, ça nous fait que ça est mieux quand c'est à. C'est pour ça. Et c'est pas qu'à ça. La résurrection dans un corps rendu parfait et immortel qui montrait que le Père a ce point de vue sans corps. Et par contre, si nous rencontrons cela, sans membres ni passion, parce que Dieu est esprit. Mais à travers Jésus, le Fils, le Père, il prend un corps de chair, des os, aussi tangible que celui de l'homme. Ce qui voudrait dire que la nature physique de notre Père céleste fut aussi révélée. De fait, par la résurrection, Jésus
ce Sauveur nous a montré une existence physique, éternelle, qui fait partie intégrante de la nature éternelle de Dieu, de nous-mêmes. Maintenant, qu'a confessé le nom de Jésus, le divin ressuscité, le qui quelle, c'est ça qui justifie ce lien indissociable et séparable. Je dirais qu'il fusionne l'esprit, l'âme et le corps physique, de sorte qu'il forme un corps immortel, incorruptible, glorieux, le bien-aimé, parfait, de sorte que le corps soit capable de recevoir la plénitude de joie que bon Dieu lui-même nous possédait. C'est là de le fichier. Et on va parler avec nos amis qui ont pris une longue route dans le Canada. Il y en a parlé contraste ça. Et on a parlé de la résurrection. Et après la mort, monde qui était dans l'au-delà, monde qui ne pas quoi, qui pensait après la mort, c'est le néant. Et puis, je viens avec, nous venons avec une profonde réflexion. On dit que le monde formé, archéologue, monsieur Chercheur, il a révélé des bagailles qui dataient des millions d'années. C'est toujours le monde que vous voyez l'homme à la surface de la terre. Je dis, on ne doit pas des connaissances pour connaître. Et si ça, même ça, dans combien de corps mortels les passés déjà, je veux dire, où est l'existence? Et demain, il va réincarner après la mort. Donc, c'est normal. Lorsqu'il met en semence, il va parler de monde, peut-être qu'il fait du, il va ressusciter. Et maintenant, lorsqu'il met en semence, il va le planter. Combien de. Et pas toute graine qu'on mettait en bataille qui levait, bien pourri, bien qui. Bien, on te mettait quatre graines marines en toi, c'est toi ou éclairé, l'autre là, il porte, ou pas qu'on s'en devine. Eh bien, c'est petit que nous avons réfléchi sur la résurrection. Ça fait, nous devons entrer, nous devons continuer, nous devons travailler sur le point de la résurrection et nous-mêmes tous. Nous devons vivre dans l'au-delà. Ouais. De ne pas regarder, de te prendre à l'appui, et le Corinthiens chapitre 15, et le verset 43 à la fin, 41, il t'a parlé. La Bible dit, et si, en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable et ressuscité glorieux. Il est semé infime et ressuscité plein de force. Il est semé corps animal et ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Et que le homme Adam devint dans une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et celui qui a ressuscité n'est pas le premier, mais c'est lui. Ce qui est animal, ce qui est spirituel, vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre. Et si vous avez un peu de temps, je veux dire, pour réfléchir, nous finissons parler de résurrection pendant tout le mois, ce chapitre-là, c'est souvent dans les cérémonies funèbres. Nous allons verser ça pour, parce que bien tout le monde qui vit dans la cérémonie et pas tout le monde qui est chrétien, c'est là pour profiter, faire comprendre qu'il n'y a pas qu'à vivre. Dans l'esprit, ça seulement, il faut connaître au-delà de la mort, on l'a de vie.
C'est ainsi que, quand tu as dit, voici, je vous dis un mystère. Ça, c'est ma talent, mais pas parler de contraste. À travers la mort de Jésus, sous forme corporelle, Dieu prend. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés en un instant, en un plein d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps incorruptible revête de l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête de l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura reverti l'incorruptibilité, ce que ce corps mortel aura reverti de l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Et là, répondre à la question ça en ressuscitant des morts, au mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, mais bien aimé, c'est le péché, le consacré. Bien. C'est ça. Après, on a bien aimé. Et suite là. Et que tu n'as même pas. Tu ne comprends que nous devons vivre après la mort. Tout n'est pas fini. Et même Jean, Christ, remporté la victoire, la mariole sur la mort. Christ répond à une question ça. Et maintenant, vous songez cette fameuse question. Écoutez, les dames sortis d'un tombeau là. À l'aube, au matin des Pâques. Écoutez, lui-même sorti vivant là en bas. Il leur dit, ne craignez point, je sais bien ce que vous cherchez. Jésus l'est crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait annoncé. Et de voir les lieux où il gisait et aller dire aux disciples qu'il est ressuscité d'après les morts. Et frère, il sait que les dames étaient portées. Et voilà, il vous précède pour Galilée, c'est là que vous le verrez. Et maintenant, conclusion pour nous. Ma belle bagaille là, pour Jean, prononcer la profondeur pour nous comprendre. C'est donc normal, monsieur était curieux, on est en Galilée. C'est ça fait, c'est, on a fixé Dieu, regardé, commenté. Eh bien, c'est comme ça. Mais là, ça a enlevé. Mais maintenant, donc là, ça, c'est que il n'est pas arrêté après plus de 2000 ans. Il a été à l'instar des hommes galiléens toujours. C'est bon et tout. Maintenant, c'est le moment où l'événement fait. Mais trois événements qui a annoncé. Messie a été pour venir. Il était bien pour mourir. Il était bien pour ressusciter. C'est ce qui fait le retour là inévitable, bien aimé. Ce retour est inévitable. Eh bien, l'événement ça est caractérisé par tout ce que les prophètes ont annoncé, les prophètes le fait. Maintenant, dans Actes chapitre 1, verset 11, parole là, c'est là nous voyons comment mettre là aller. Actes chapitre 1, le verset 11, la parole dit, nous commençons le verset 10, et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici des hommes vêtus de blanc, il leur apparut, il dit, homme galiléen,
pourquoi vous arrêtez à vous regarder au ciel? Et Jésus qui a été enlevé au ciel du billet de vie reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Maintenant, là, retour là, c'est inévitable. Peut-être que jusqu'à présent, les mondes t'attendent chaque vendredi saint, qui cherchent et que tu comprennes que son verre va mourir. Du moins, le monde qui connaît ce sauveur, qui met la panne dans ton bois encore. On a profité maintenant pour nous dire, ça t'est fait une fois pour toutes. À l'époque, la Bible t'a dit, à l'époque où la Bible dit ça, le rideau suspendu dans le ciel se déchira depuis le haut jusqu'en bas et la terre trembla, les rochers. Cependant, les tombeaux s'ouvrirent et des hommes et des croyants qui mourirent, qui bénéficiaient de la bien de Matthieu 27, qui ont retracé ces événements avec nous, qui attendent les preuves à l'appui. Matthieu 27, de 51 à 54. Et décrit, voici la voile du temps, se déchira en deux, depuis les rues jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils étaient sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent un grand nombre de personnes bienvenues. Même le centenier et ceux qui étaient avec lui ont gardé Jésus et ont vu le tremblement de terre. Et ce qui venait d'arriver, il saisit d'une grande prière et dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, maintenant, il y a des raisons d'être. Maintenant, suivant conviction, suivant foi chrétienne, le monde qui a suivi Jésus, le monde qui a parlé de religion, le monde qui croit dans les divines nécessités, les adeptes de Christ. Maintenant, il n'y a pas d'entendre encore. Et si Christ n'a pas de nécessité, Jean-Paul dit, prédication, nous, c'est à peine. Mais bien, nous, qui croyons dans le prophète, peut-être, nous pouvons parler à une certaine limite, mais nous-mêmes, nous pouvons parler haut et fort, et à quoi il déploie. Sauvez-moi, ressuscité. Et maintenant, Christ, c'est bien, pour toi, toute humiliation, ça, moi-même, avoir la vie, de payer pour nous le châtiment qui va nous la mort, tombé sur nous. Et par cet acte, il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Et désormais, nous portons sur notre peau les stigmates. Divers nécessités. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour le monde qui est en Jésus. Je vous dis, elle a gardé la justice à faire de manière à vendre. C'est la raison du plus fort. Et si Christ passe bas, ça avec lui, puis nous. Je veux dire, vous pouvez pas connaître, je nous vivons dans la prison en Haïti. Il y a des hommes parfaits pour qui c'est l'homme. C'est seulement malheureux qui est dans la prison. C'est comme si tout grand est parfait. Il n'y a pas jamais péché, il n'y a pas jamais fait rien. Il n'y a pas jamais fait rien dans la société. Donc, son exemple, les crises, parce que vous tous,
Ou en moi-même avec, à bénéficier aujourd'hui à quelqu'un qui s'aime pour lui laisser ça. Mais bien aimé, c'est du patient ça à nous donner aujourd'hui. C'est assurer ça, c'est foi ça à nous faire. Il fait aujourd'hui à moi-même avec nous, nous là, nous va finir avec nous déjà. Et espérance nous gagne, nous d'autant plus grand encore. Lorsque la fin combat, lorsque la fin bataille, lorsque la fin travail, notre à traverser nous-mêmes, on arrive l'autre bord hier, côté pas de souffrance encore, côté qui pas de humiliation, côté qui pas de toutes sortes de discrimination encore. Et c'est grand pour ça, c'est espérance ça, nous bien, et pour ça, et la lutté. Et si tout l'autre événement a été annoncé, vous faites comme ça. Et bien, vous pouvez la tête jeune et vous mettre là, aller avec ça, la vie. Mais, elle est à bout, c'est la dernière. L'été, l'hier, c'était l'huile dans l'autre, l'été réactif. On va prendre joie, on va prendre l'air. Parce que l'hier, vous l'avez ça. On a gagné pour l'année avec toutes ces patricieux, toutes les maladies, toutes les tensions, toutes les diabètes qui ont des problèmes, toutes les cancers, toutes les. Ça, c'est la fille. Tout par venir pour la justice. À qui la justice est due? Et puis là, mon président d'être, mon bien-aimé, qu'on est là. Évidemment, il y a été annoncé à la dépôt. Mais pour nous travailler, et après la fête, nous sommes là. Parce que nous faisons trop de prédits, nous levons trop d'humidité, nous faisons trop de soleil, nous faisons trop de risques. C'est bien malheureux. Et nous te dit oui, nous renoncer, nous renouveler l'alliance. Nous ne sommes pas là, dans aucun seul événement. Christ a mangé quoi le monde? Car il est ressuscité, comme il l'avait annoncé. Il va nous tomber encore. Un peu de vie. Un jour, la vie est belle et tout est libérée. Et là, nous avons matin. Shalom, shalom. Bon dieu, bon dimanche, et bonne adoration. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen.